Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous y sommes, merci dames, toutes nos excuses, la densité de l'actualité oblige et nous avons dépassé le temps requis. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons avec nous le président national de la jeunesse de l'ANC, M. Jean Eclou. Encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Et je crois que vous portez bien tout comme votre département au niveau de l'Alliance nationale pour le changement. Oui, l'Alliance nationale pour le changement se porte bien. Mais quant à moi, je sors d'un palu. Ah. C'est hier seulement que j'ai terminé les soins. Mais par la grâce de Dieu, je peux affirmer ce matin que je vais plus ou moins bien. Et vous irez mieux, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, là, entre-temps, vous aviez annoncé une série d'activités devant les ambassades, etc. Mais vous avez été empêché et donc vous avez mis les clés sous les paillassons. Pas du tout. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un rassemblement qui nous impose certaines normes à respecter, ce qui fait que la manière dont l'ANC ou bien les jeunes de l'ANC doivent être visibles sur le terrain est plus ou moins mesurée. Mais cela ne veut pas dire que nous ne menons pas des actions. Oui, c'est vrai que courant mois dernier ou bien il y a 2 mois de cela, nous avions entrepris des activités sur le terrain, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des activités devant les ambassades pour exprimer un ras-le-bol, également des activités de mobilisation sur le terrain, des meetings de quartier et autres, qui, à notre avis, a été couronné d'un succès, puisque le retour que nous avons eu de par les populations de ces différents quartiers que nous avions visités nous encourage à poursuivre le travail. Mais je dirais de manière synthétisée que oui, la jeunesse de l'ANC se porte bien, nous continuons nos activités, mais beaucoup, c'est pas encore la face visible des choses, mais dans 2 semaines, nous allons nous remettre sur le terrain. Donc vous allez renouer avec vos activités ordinaires? Absolument, absolument. Mm-hmm. Parce que tout parti politique se doit de fonctionner, de sensibiliser la population. Et je pense que au niveau du parti, vous savez, c'est une grosse machine. Pour pouvoir prendre des décisions, aller sur le terrain, vous devez passer par des étapes. Soumettre un projet. Le projet doit être validé. Et puis, une fois que c'est validé, vous êtes sur le terrain, vous travaillez. Donc, dans tout parti politique, c'est le respect de la hiérarchie, de la discipline. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, je pense que vous avez plein pouvoir pour agir. Donc, c'est pourquoi. Et maintenant, cette reprise des activités, est-ce que ce serait à compter avec Sokodé, Mango et Bafilo, Tchambakara? Tout à fait, tout à fait. Bien vrai que j'étais malade sur mon lit d'hôpital. J'ai fait violence à moi-même d'entretenir 2 rencontres avec mes collaborateurs. Nous avions travaillé avec des jeunes de Mango, nous avions travaillé avec les jeunes d'Assoli, de la préfecture d'Assoli, de la préfecture de Loti, de l'Assoli et puis de Tchaoudjo. Précisément, on a travaillé avec des jeunes de Mango, des jeunes de Bafilo et des jeunes de Sokodé. Donc il y a une planification d'activités qui est retenue. Ces activités doivent se mener en 2 temps. Une partie par ces relais que nous avons sur le terrain et la deuxième partie, nous irons en appui pour pouvoir couronner toutes ces activités-là par une grande manifestation qui est tout naturellement un meeting. Donc, êtes-vous en train de nous annoncer que la levée de l'état de siège est déjà effective? Nous allons à ces endroits. Nous voulons tester. Il y a la C14 qui a aussi un programme. Oui. Mais comme nous aussi, nous sommes un parti politique. Vous savez, quand on est jeune, il faut essayer de remuer un peu les choses. Vous créez une situation et vos aînés viennent arranger. Donc, nous, on piaffait d'impatience pour pouvoir aller sur le terrain, tester un peu, voir la décision. Sorti par une décision. Le communiqué sorti la dernière fois lors de la venue des 2 chefs d'État qui ont sorti un communiqué annonçant que les manifestations peuvent reprendre sur toute l'étendue du territoire. Ce que l'ambassadeur des États-Unis a salué également. Effectivement, donc voilà ce programme qui est établi et nous allons jauger un peu et tester un peu le pouvoir si réellement cette fois-ci ce communiqué-là s'impose à notre
gouvernement, parce que c'est des gens qui... Oui, mais quand même, monsieur Christian Trimoy vous avertit en disant que vous courez de très grands risques sécuritaires. Non, Trimoy... Il a dit, vous l'avez certainement écouté. Bien sûr que je l'ai écouté, nous l'avions suivi. Vous savez, tout ce que vous faites dans le monde médiatique, nous avons également une cellule à notre niveau qui enregistre les choses. Nous les écoutons, nous les passons dès que les acteurs de la société civile ou bien les acteurs politiques passent, qui s'intéressent à la vie politique ou bien à la vie sociale dans notre pays. Nous scrutons religieusement les propos et nous analysons, nous prenons des partis qui nous intéressent pour pouvoir peaufiner nos plans d'action en matière de communication et autres. Donc on a écouté M. Trimoy. Donc pour nous, on ne va pas trop s'attarder sur la déclaration de M. Trimoy parce qu'il n'y a rien d'intéressant à retenir là-dedans. Bon, les armes circulent. Qui sont aux affaires il y a de cela 53 ans? C'est le même régime. Si aujourd'hui on peut se cacher devant une histoire qui n'a ni tête ni queue en disant qu'il y a des armes qui ont disparu et qui circulent dans la nature, qu'on devait faire attention, c'est pour qu'on empêche les gens de manifester dans ces zones-là, je dirais tout simplement que c'est un aveu d'irresponsabilité, un aveu d'impuissance, et dès lors que vous êtes aux affaires et que vous ne pouvez pas assumer la sécurité des citoyens, je pense que vous n'avez plus votre place là-bas. Et oui, mais en tout cas, le chef de l'État est parti faire des activités là-bas, ce qui suppose, à mon sens, que la sécurité sans revenir dans la région, tout comme d'autres activités dans le cadre social, ont été faites là-bas. Je vous remercie, Joachim, M. Agbetim, je vous remercie, parce que quand le chef de l'État s'était déplacé à Sokodé et dans les autres régions où le problème sévit, vous avez vu qu'il y a un fort dispositif sécuritaire qui était déployé. Est-ce à dire que le chef de l'État est plus important que les autres citoyens? Non, quand même, c'est une institution. Non, je ne refuse pas. Oui. Mais avant tout, et après tout, c'est un citoyen comme tous et moi. Oui. Vous et moi, plutôt. Donc, on ne peut pas mettre un accent particulier sur la sécurité du chef de l'État et totalement faire fi de la sécurité ou bien de la protection civile. Donc, c'est un problème dans notre pays. On a constaté que tout est mis, quand vous voyez les différents budgets qui passent devant les députés à l'Assemblée nationale, une part importante est consacrée à la protection du chef de l'État, alors que la protection civile, pinote, il n'y a rien. Donc, c'est des cas que nous allons, si Dieu le veut, dans les tout prochains jours, une fois que nous serons aux commandes, essayer d'apporter des solutions aussi dans ce domaine-là, qu'est la protection civile. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas notre dada. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'arriver à apporter une solution immédiate au quotidien des Togolais. Et ce quotidien des Togolais, c'est quoi? Vous savez, les jeunes sont dans une attente terrible. Parce qu'après 53 ans où il n'y a pas une alternance dans le pays, les jeunes se mobilisent, ils se posent la question jusqu'à quand? Donc la principale question aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse qui donne de l'espoir à cette jeunesse togolaise-là, qui puisse encore croire que oui, quelque chose est encore possible dans notre pays. Ah oui, alors là, monsieur Clou, est-ce à dire qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse de l'ANC seule qui ira sur le terrain, ou bien vous aussi, vous travaillez en synergie comme vos leaders, les responsables de vos différents partis le font, qui se trouvent dans la C14? En toute humilité, la jeunesse de l'ANC ne s'arroge pas le droit de mener les activités au nom de toute l'opposition togolaise. Nous faisons des démarches avec nos autres collègues de l'opposition, nous faisons des rencontres, nous échangeons. Entre les responsables des jeunes, des différents partis membres de la C14? Oui, certains responsables de la jeunesse de la C14, ce sont des rencontres informelles. On n'a pas encore une structure formelle de la C14, mais quand même, il y a des structures qui existent, qui œuvrent dans le domaine des activités de la jeunesse. Il y a tout récemment une organisation qui a sorti un programme où ils ont demandé à ce que le statut des anciens chefs de l'État soit voté. Les sentinelles de la République. Les sentinelles de la République. Nous discutons avec tous ces responsables-là. Mais ma foi, ce n'est pas du tout facile. Avoir aujourd'hui une organisation bien structurée de la jeunesse au niveau de la C14, c'est en chemin. Et je pense que dans les tout prochains jours, ça finira par se matérialiser. Mais en toute humilité, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons et nous essayons d'apporter
une solution à un problème donné, et c'est ce que font les jeunes de l'ANC, et ce que nous faisons, nous ne le prenons pas seulement pour notre chapelle, mais c'est également pour toute la jeunesse togolaise et la jeunesse de l'opposition. Alors, un fait qui semble aujourd'hui devenir des trucs que les citoyens, disons les Togolais de la diaspora, font au quotidien, pratiquement en voyant des gens qui soutiennent le parti au pouvoir, c'est des attaques parfois verbales ou même des jets des œufs pourris, etc., etc. Le premier cas, Djiri Tama l'a vécu, et ce week-end, c'est l'artiste humoriste Gogoligo qui en a payé aussi les frais. Alors, M. Jean Eclou, vous aussi, le plus souvent, vous allez en Europe, mais comment appréciez-vous cette, je ne dirais pas escalade de violence, mais cet état de choses? Merci, M. Agnetti. Vous savez, nous sommes dans un pays où le tissu social est très fragile. Ça ne tient qu'à un bout de fil. Tout cela, la conséquence directe, c'est les 53 ans de règne absolu d'un seul régime sur le pays. Oui, M. Djiri Tama, président d'un parti politique, a été pris en partie à Bruxelles la dernière fois, où il y a eu des jets d'œufs sur sa personne, des attaques verbales. M. Gogoligo, qui est un acteur du monde culturel dans le pays, qui a été également pris en partie. On a suivi les vidéos sur WhatsApp. Mais, et c'est samedi dernier, à Genève. Samedi, c'est dernier à Genève. On a également appris qu'un autre acteur du monde culturel qui a sorti un album aurait été victime des agressions verbales ou bien des menaces de mort. Mais tout cela, c'est vrai. Nous sommes un acteur politique, on ne peut pas applaudir des deux mains tout acte de violence. Mais quand même, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ces situations. Il y a de cela plusieurs années, M. Djiri Tama allait en Europe et revenait. M. Gogoligo et autres se déployaient à cœur joie dans le pays, faisaient des activités. Personne ne les attaquait. Mais nous devons constater que depuis un certain temps dans notre pays, il y a un éveil de conscience de la part des Togolais, de par le monde. Que ça soit à Lomé ou à l'extérieur, des gens souffrent et des gens comprennent que on ne peut pas accepter une situation qui ne peut pas évoluer. Véritablement, s'il a été agressé, peut-être, je dis peut-être, c'est il aurait tenu des propos qui n'étaient pas acceptés par une frange de la population togolaise. Mais assimiler cette frange de la population togolaise à une certaine catégorie d'acteurs politiques dans le pays en disant que ce sont des miliciens de tel bord politique, on ne saurait l'accepter. Parce que ceux qui sont allés là-bas ne sont pas allés au nom d'un parti politique. C'est des citoyens togolais qui ont exprimé leur ras-le-bol. Donc ce ne sont pas des gens mandatés par les officines de quelque parti que ce soit? Pas du tout, pas du tout. C'est là où je veux en venir. Pas du tout. Puisqu'on a écouté des choses que, oui, voilà, M. Jean-Pierre Favre, pour le cas de Gogoligo, on aurait appris que c'est le CFO qui aurait mandaté des gens pour qu'on l'agresse verbalement et autres. Tout ça, c'est du mensonge. Puisque dans notre pays, on excelle dans un domaine, c'est quoi? C'est le mensonge. Tout de suite, on trouve la petite bête sur la tête de quelqu'un. On dit que oui, voilà, c'était à l'origine de ceci, de ceci, de cela. Donc, je dirais tout simplement que toutes ces accusations ne sont que des accusations gratuites. L'opposition n'a jamais mandaté qui que ce soit à exprimer un acte de violence ou à commettre un acte de violence sur qui que ce soit, mais essayons de faire la lecture de la situation qui conduit à cet état de choses. C'est un sentiment de rejet, un sentiment de mécontentement, de désaveu d'une certaine déclaration. Donc, tout ce monde-là... Alors, qui peut maintenant faire arrêter ce déchirement du tissu social togolais? Si des Togolais s'en prennent entre eux-mêmes... C'est le grand danger, c'est le grand danger, oui. M. Abetim. Ça fait frémir. La dernière fois, on a encore réfléchi là-dessus en disant que si M. Tama a été agressé, quelque chose qu'on observait dans les pays, dans les démocraties développées, Sarkozy en a fait les frais, François Hollande en a fait les frais, mais si on en arrive à cette situation dans notre pays et des responsables qui se déplacent à l'étranger vivent cette situation, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Et que jeunes que nous sommes, nous devons très rapidement se pencher là-dessus et se dire
où devons-nous trouver le génie? Alfred de Musset l'a dit, bat-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Nous devons nous demander, se poser la question, est-ce que nous devons laisser cette situation aller vers le bourrisme, ou bien nous allons essayer de trouver des passerelles pour pouvoir discuter, réfléchir en disant mais non, la situation que nous vivons dans notre pays là, écoutez, ça ne va pas, ça ne tient qu'à un bout de fil. Donc trouvons des solutions pour remédier à cela. Donc je pense que c'est ce que nous devons faire. Et là, ce seraient les acteurs politiques, les leaders qui vont entreprendre une telle activité ou carrément au niveau du sommet de l'État ou à quel niveau? Non, le sommet de l'État, c'est des gens qui sont figés dans une situation de conservation de pouvoir. C'est à la société civile de mener des actions sur des médias pour expliquer, inviter les gens, je ne dirais pas le mot tolérance, mais essayer d'amener les gens à se dire, faisons attention. L'acceptation de l'autre, malgré son opinion contraire à la mienne. Absolument, que c'est la société civile qui doit jouer ce rôle-là, en essayant de sensibiliser les jeunes Togolais en disant que, écoutez, il y a un problème qui est là. Si on fait attention, ça risque de dégénérer à tout le monde. Et je pense que nous, acteurs politiques, nous faisons notre devoir, le devoir d'informer, de sensibiliser nos militants à la non-violence, on le fait, mais quand même que certains acteurs majeurs dans le pays se disent nous sommes dans une situation très sensible, évitons d'énerver davantage les populations. Parce que si les gens quittaient le pays pour aller à l'étranger, ce n'est pas de cœur joie. Ce n'est pas de cœur joie, oui. Ce n'est pas de cœur joie. Et certains l'ont même exprimé dans des vidéos. Je sais, vous aussi, vous voyez souvent de par le monde. Mais si vous voyez les conditions dans lesquelles vivent nos frères Togolais, nos frères qui sont à l'étranger, c'est déplorable. C'est déplorable. Ça laisse à désirer, véritablement. Mais regardez tout le parcours que les jeunes font pour aller en Occident. C'est des gens qui vendent les biens de leurs parents, c'est des gens qui s'endettent, mais arriver dans ce pays-là... Parfois, certains, ils traversent la mer au risque du pays. Absolument, de leur vie. C'est des gens arrivés là-bas, ils ne dorment pas. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures pour pouvoir rembourser les dettes au pays, subvenir aux besoins de leur famille. Et des gens qui sont là, qui se la coulent douce dans le pays, qui les narguent, qui disent du n'importe quoi, mais arrivés là-bas, c'est l'occasion pour eux d'exprimer leur colère, leur ras-le-bol. De vouloir régler des comptes, ce ne serait pas bien. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. À suivre Gogo Ligo, il disait quelque chose que les leaders que vous suivez, est-ce que eux aussi, ils ont des supermarchés, du moins, où ils ont engagé tant. C'est l'argent qui fait la politique. Il indexait vos responsables au niveau de la C14. Non, en fait, heureusement que c'est un humoriste. Heureusement que c'est un humoriste et que on ne va pas tout le taxer à sa juste valeur, parce qu'il y a certaines déclarations, si vous voulez faire, si vous êtes un acteur majeur, si je l'appelle acteur majeur, c'est parce qu'il a été décoré par le chef de l'État. Et cette décoration-là, c'est la réflexion, c'est le fruit de tous les citoyens togolais qu'on a porté sur lui. C'est une distinction. Oui, et il l'a dit. Il faudrait la mériter. Mais il dit qu'il mérite, écoutez, je dirais c'est une faveur. C'est une faveur, monsieur Gogoligo, qu'est-ce qu'il a prouvé et que d'autres n'ont pas fait dans le pays. Mais c'est pas faux favoritisme qu'il a eu cette distinction, mais il faudrait qu'il arrive à avoir raison gardée, se taire et mener ses activités humoristiques tranquillement et ne pas énerver davantage les Togolais. Parce que ce titre qu'il a eu, cette décoration, cette distinction qu'il a eu, c'est sujet à caution. L'autre sujet qui devrait la chronique ces temps-ci dans le pays, c'est que le ministre de la Santé et de la Protection civile et sociale a pris la décision de fermer la morgue du CHU Sylvanus Olympio, ceci à compter samedi prochain. Alors, M. Jean Eclou, les Lomé ne pourront plus déposer des corps ou des dépouilles mortelles à la morgue de Lomé pour 3 mois, et ceci pour réfectionner la morgue togolaise. Monsieur Abetim, vous savez, il y a des positions dominantes qui font honte à assumer. Cet arrêté, bien cette décision ministérielle prise par M. Midiawa, qui jadis était apprécié dans le milieu médical, aujourd'hui pose des actes. On se demande si réellement c'est le monsieur même qui essaie de prendre ces décisions.
parce que c'est une décision impopulaire basée sur une relation ou bien basée sur la force. C'est des gens qui ont... Sur la force? Sur la force. Non, ici, c'est quand même un technicien, lui n'a rien à voir. Non, si je dis, c'est, il est dans un système. Et le système qui nous dirige, le principal, ou bien la principale force de ce système, c'est quoi? C'est la force. Reposer sur quoi? Sur l'armée. Et c'est pourquoi on dit, la raison du plus fort, toujours la meilleure. Mais la raison du plus fort dans le cadre de Gaulle, c'est quoi? C'est les Kalachnikov, c'est les AK-47, c'est les mortiers, c'est des gaz lacrymogènes, etc. etc. Gaz lacrymogènes, d'accord, oui. Monsieur Midi Niawa est dans ce système-là, c'est pourquoi il a pris cette décision. Sinon, c'est une décision impopulaire. Oui, mais quand même, nous sommes dans le schéma de la contractualisation du CHU. Sylvano Soumine, puis à un moment donné, on doit commencer par. On doit commencer quelque part. Et voilà, c'est la mort. Vous êtes un médecin. Vous avez un patient qui souffre du paludisme. Vous devez lui donner des cachets, vous devez lui donner, faire quelques injections pour qu'il guérisse. Vous laissez celui qui a le palud. Vous allez vers quelqu'un pour lui demander, est-ce que vous n'avez pas la toux par hasard? Vous avez un cas existant. Vous ne vous préoccupez pas du cas existant. Vous laissez ça. Vous allez vers des cas où vous faites une prospection pour dire est-ce qu'il n'y a pas des malades dans tel foyer, alors que chez vous, dans votre santé, dans votre structure, vous avez déjà des malades que vous devez soigner. La mort de l'homme, est-ce que c'est une priorité par rapport aux autres unités qui existent au sein de notre administration sanitaire? Si c'est une priorité, qu'on informe la population. Vous savez, dans toute chose, la communication décide de tout. Vous êtes dans le monde de la communication. Si le gouvernement n'a pas les hommes outillés, mais Radio Victoire est là. Faites recours à M. Agbeti Mehot qui doit vous conseiller de la manière où vous devez procéder. Vous jetez une décision comme ça sans pour autant préparer l'opinion à l'avance. Non, mais quand même, ils ont trouvé des mesures alternatives en disant « Rabattez-vous sur le CHR Lomé Commune, etc. etc. » CHR Lomé Commune. Il y a des structures adéquates là-bas. Il y a la morgue là-bas. Ah, okay. Mais selon nos informations, ce serait aussi archi-plein. Ah, ok. Vous avez vu vous-même. C'est honteux. C'est honteux, je dirais. Donc, à votre entendement, ce n'est pas la priorité pour le moment? Non, pas du tout. Pas du tout. De réhabiliter la morgue? Laissez nos morts tranquilles. Dans nos situations togolaises, vous savez que nous sacralisons le mort. Quand une personne décède aujourd'hui, ce n'est pas une réjouissance, mais c'est un respect que nous faisons à ce corps-là. Et demander aux gens de venir déplacer les corps, alors qu'il y a des morts qui sont là-bas, sont dans une situation très conflictuelle. C'est la justice qui doit décider. Donc nous allons créer, ils vont créer une fosse commune, mettre tous ces gens là-dedans et puis les enterrer. L'avenir nous le dira. Mais quelle compréhension, monsieur Jean Eclos, a de la phrase de Emmanuel Macron prononcée la semaine dernière, notamment le mercredi à Abuja. Il disait « Le statu quo n'est pas possible pour le Togo ». Comment comprenez-vous ce bout de phrase? Alors, on va y revenir tout de suite, mais on marque la pause. Le président français Emmanuel Macron, se prononçant sur la situation, disons, la crise togolaise, il a dit... Oui, il a confiance au président ghanéen, guinéen. Bon, en fait, il n'a pas cité le Guinéen, mais le Nigeria, le géant de l'Afrique de l'Ouest, après sa phase électorale, va pouvoir se prononcer sur la crise togolaise afin que cette solution soit trouvée. Et continuant, il a laissé entendre ce bout de phrase. La situation, disons, le statu quo n'est pas possible pour le Togo. Alors, comment comprenez-vous, en tant qu'acteur politique, ce bout de phrase du président français? Bien sûr, d'abord il faut essayer de placer sa déclaration dans un contexte d'ordre. Oui. Le statu quo, vous savez aussi bien, c'est une locution latine qui exprime une position donnée, une position figée donnée. Oui. Et si on doit donner un exemple de quand on utilise le mot statu quo, c'est quand les gens sont réfractaires à une situation de changement, c'est cette situation-là qui nous conduit dans un
dans un monde de statu quo, bien dans une situation de statu quo. Je n'ai pas voulu utiliser le mot de situation deux fois. Oui. C'est pourquoi. Donc, M. Macron, c'est un Français, on le sait. Il a la manière facile d'exprimer les choses dans leur langue. Mm-hmm. Mais le français n'est pas la langue usuelle des Africains, puisque chaque pays a sa langue nationale donnée. Et quand un Français utilise un mot, il faut essayer de l'adapter. Et dans le cas précis, nous ne cherchons pas à tirer le drap de notre côté. Le mot statu quo se trouverait dans le camp de nos adversaires politiques unis. Parce que ce sont eux qui sont dans une situation de statu quo, il y a de cela 53 ans, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas évoluer, ils sont dans une situation figée. Ils ne veulent pas faire des concessions, ils ne veulent pas permettre au peuple d'avoir largement tant souhaité. Et je pense que M. Macron s'adresse à nos amis, nos adversaires politiques de RPT Unir. Quand je dis nos adversaires, nos amis, c'est des citoyens togolais. Bien sûr. Donc, l'intervention de M. Macron s'adresse beaucoup plus au chef de l'État qui incarne un système et qui est dans une position donnée, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas permettre l'alternance. Donc, cela suppose Emmanuel Macron serait en train d'insinuer le Togo ne doit plus rester dans un état de non-réforme des institutions. Absolument. Non seulement de non-réforme des institutions, le Togo ne doit plus seulement rester dans une situation où un seul clan dirige le pays et ne veut pas évoluer et permettre à d'autres personnes, d'autres formations politiques aussi, d'accéder à la gouvernance de l'État. Donc, changement de personnel à tête de l'État aussi pourrait être inclus dans ce bout de phrase de Macron? Absolument, absolument. Mais quand le ministre Gilbert Barra, lui, il avait dit ceci, je le cite, hein, le gouvernement et sa majorité ne sont pas disposés à se situer dans une logique de statu quo. Nous avons toujours insisté sur deux exigences. D'une part, un esprit d'ouverture, de recherche, du compromis, mais en même temps, la détermination et l'engagement à aller au bout du processus en veillant à ce que les réformes politiques, notamment constitutionnelles, puissent être opérées en vue de renforcer la démocratie et faire en sorte que les aspirations du peuple puissent être assurées. Monsieur Barret, dans son rôle de défendre un système dans lequel il est, pour lui, ce que dit M. Emmanuel Macron est la même chose que la position du gouvernement et la majorité. Je l'ai dit tout à l'heure que M. Macron est un Français et la langue utilisée est la langue française. Donc ça prête toujours sujet à interprétation. Souvenez-vous du dernier communiqué des chefs d'État de la CEDEAO. Quand ils ont dit qu'il faut aller vers des élections vers la fin novembre, en disant que c'est une date indicative. Aussitôt que les chefs d'État sont partis, le RPT Unir a essayé d'interpréter ce communiqué-là pour servir ses intérêts. Ce qui a valu une sortie médiatique du président Alpha Condé pour remettre les pendules à l'heure, pour dire que, écoutez, on n'a jamais demandé au peuple togolais d'aller à des élections en fin novembre s'il n'y a pas un consensus. Donc, c'est la même chose que le président français, si son agenda le permet, je pense qu'il doit refaire un recadrage en disant le statu quo dont je parle, il exprime clairement pour que le sujet ne soit pas interprété de diverses manières. Mais du côté où nous situons, le statu quo pour le peuple togolais aujourd'hui est incarné par le régime RPT Unir qui est dans une position figée de conservation de pouvoir il y a de cela 50 ans, plus de 50 ans, 51 ans qui sont dans une position de statu quo. Ils ne veulent pas l'alternance, ils ne veulent pas le changement au sommet de l'État. Et je pense que... Oui, mais est-ce qu'ils ne veulent pas, ou bien c'est le peuple qui n'est pas encore dans cette dynamique-là, puisque c'est le peuple qui élit celui qui est à la tête du pays? Non. Si on doit parler des élections, il y a plein de choses à dire là-dessus. Monsieur Fonia Sibé, là où il est, lui-même, il le sait, qu'il n'a jamais été plébiscité à plus de 50% par le peuple togolais pour conduire aux destinées de ce pays. C'est à notre corps défendant que le peuple togolais accepte M. Fonia Sibé à diriger le pays. Donc, les élections, telles que ça se passe dans notre pays, n'ont jamais été le fruit
d'un scrutin totalement radieux, totalement exempt de toute reproche. Je pense que M. Fonda Sibé ne doit pas aujourd'hui se prévaloir d'une situation électorale dans le pays en disant que c'est le peuple qui l'a élu. Ça, c'est un autre dossier. Donc, disons-nous plutôt que c'est une situation de fait. Les Togolais sont dedans. Et c'est pourquoi les Togolais sont dans la rue depuis un certain temps pour dire que on ne veut plus de M. Fonia Sigbe au sommet de l'État. Et c'est ce qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Oui, mais nous remarquons aussi que depuis un temps, le peuple togolais, y compris vous, les acteurs politiques, disons vos leaders numéros, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de vos différents partis, vous êtes suspendus à la décision de la CEDEAO le 31 juillet prochain. Mais, M. Jean Eclos, est-ce que les Togolais n'ont pas ce génie-là de pouvoir s'entendre, se comprendre entre eux avant que la feuille de route de la CEDEAO ne sorte? Monsieur Bétim, je vous ai suivi la dernière fois sur votre antenne ici où vous avez essayé de donner des plans où il faudrait mettre tous les sides des différents partis politiques ensemble pour réfléchir et trouver une solution pour avant que la CEDEAO ne vienne. C'est vrai, elle est salutaire, cette position-là, mais le contexte togolais est plus compliqué que vous ne le pensiez. Si aujourd'hui tout le monde est accroché à cette décision, à cette feuille de route de la CEDEAO, c'est parce que on a dépassé toutes les limites d'entente entre nous et que nous nous remettons à une situation ou bien à une position étrangère. C'est déplorable, certes, mais quand même, c'est ceux qui sont aux affaires aujourd'hui qui nous ont conduits sur ce terrain. C'est des gens qui ne veulent rien lâcher, c'est des gens qui ne veulent rien proposer, et le peuple est décidé d'attendre son sauveur de l'étranger. Oui, c'est vrai, de la même jeunes, manière. Les jeunes que vous rencontrez, que nous rencontrons aujourd'hui dans le pays, M. Agoutim, je ne vous le cache pas, sont dans une attente énorme par rapport à cette décision de la CEDEAO. Et ça fait beaucoup peur. Soit c'est l'espoir ou le désespoir. Parce que si la feuille de route qui va arriver ne satisfait pas les aspirations de vos militants, le retour de la constitution de 92, etc., etc., et la position actuelle dans laquelle nous sommes, qu'est la proposition de sortie de crise faite par la C14, qui est un gouvernement de transition qui doit faire des choses avant la tenue des élections. Si la CEDEAO ne nous apporte pas une solution conforme à cette attente-là, voyez-vous que cette attente-là, cet espoir-là va se transformer en désespoir. Et ce désespoir-là fera que ceux que nous avons avec nous vont se dire, écoutez, plus rien n'est possible dans ce pays, essayons d'aller ailleurs. Et c'est quoi? C'est l'Occident. C'est la route de la Libye, du désert, etc. Ceux qui vont mourir vont mourir. Mais on va tout faire pour empêcher ces jeunes-là. Donc, est-ce que ces positions-là ont été expliquées aux facilitateurs pour qu'ils en tiennent compte dans la feuille de route, dans ce schéma de feuille de route? Absolument. Oui. Le nœud gordien au dojo dans notre pays, c'est du côté du RPT Unir. Oui, mais de la même manière, le RPT Unir aussi s'attend à ce que la feuille de route puisse les arranger et que leur champion puisse être candidat en 2020. Le champion puisse être candidat en 2020. Est-ce que, toute raison gardée, quel citoyen togolais aujourd'hui peut encore se dire, Monsieur Fonia Sigbe, il faudrait que tu sois candidat en 2020? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 3 mandats? Et c'est en 4 mandats qu'il va le faire. Mais posons-nous la question. Est-ce qu'au sein du régime RPT Uni, il n'y a personne d'autre? Il n'y a personne d'autre? Il faudrait que le jeu soit ouvert. Ce que nous nous demandons, c'est que ce système-là arrive à terme et donne de l'espoir à ce pays. Et cet espoir-là se cristallise autour de la présidentielle de 2020. Il faudrait que M. Fonia Sigbe dise au peuple togolais, oui, j'ai apporté un plus à ce pays et qu'à la fin de mon mandat, en 2020, je ne vais plus être candidat.
En tout cas, c'est ce que disait le politologue béninois Mathias Mpe, qui estimait que si le peuple est dormant aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le pays ou disons les tenants du pouvoir ont tout. En tout cas, ils ont la même mise sur tout, que ça peut à tout moment exploser et que ce serait encore très grave. Donc, le chef de l'État doit prendre toutes les dispositions, disons, le parti au pouvoir. Et également, j'ai lu dans le journal Le Correcteur d'aujourd'hui, paru ce lundi, M. Jean-Pierre Fabre, dans une interview accordée donc, à cet organe, disait que en cas d'échec, le peuple prendra ses responsabilités. Ce sont des menaces, on dirait. Non, non. Oui. Il n'a fait que refléter, relever, reléguer ce que dit le peuple togolais dans la rue il y a de cela quelques années, est accentué par une pression durant le mois de durant l'année 2017 et qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes en 2018. Monsieur Fabre n'a fait que refléter, relayer ce que le peuple dit dans la rue. Vous savez, la décision que la CEDEAO va nous donner à la fin de ce mois, si cette décision n'est pas conforme à l'attente du peuple togolais, je pense qu'il y aura un tollé général dans le pays. Toutes les populations de Lomé jusqu'à Sékassé vont se lever comme seul homme pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord sur cette décision qui consistera à nous imposer encore un quatrième mandat de M. Fabre. Et au cas où ça ne satisfait, ça n'aurait pas satisfait aussi les désirateurs du camp d'en face, le RPT, Unir. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore à proposer à ce pays? Ah, mais il y a des militants qui estiment quand même que Fort doit être. Ils disent Fort Masté. Fort Masté, c'est la le contraire de ce qui dit Fort Masgo. C'est la minorité. D'accord. Donner l'expression à la majorité des peuples togolais, et je pense que la CEDEAO doit avoir raison de garder. Sinon, à la fin de ce mois, ce qui risque de se passer dans ce pays, je pense que c'est une situation qui sera très invivable. Et Dieu va nous préserver de toutes ces situations. Et vous, acteurs politiques aussi, vous devez y contribuer énormément. Et nous allons prendre M. Komi en ligne. Bonjour. Oui. Allez, rapidement. De la Côte d'Ivoire, quels sont les intérêts que la France poursuit là, la Libye, quels sont les intérêts que la France poursuit au Mali, ce qui crée l'instabilité dans la sous-région et dans l'Afrique tout entière. Quand le président français devient président, il nous parle du statu quo. N'est-ce pas une conséquence du statu quo dans l'Afrique qui continue, qui focalise les dirigeants sur l'opposition à ne pas donner le bien-être pour le peuple. D'accord. Bien noté, cher ami. On prend un autre intervenant à l'eau, 92-02-80-63-22-21-80-99. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur Assignon. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, vous voulez notre invité. Donc, je voulais le remercier. J'ai espéré que vraiment, comme il l'a dit, dans plusieurs mois, que nous aurons des bonnes informations. Mais il y a un leader aussi, il avait proposé que la fois passée, le dernier assise du dialogue de CEDEAO, que l'opposition devait aller loin pour empêcher la candidature de Fort. Comme il disait, retourner à la constitution de 92, ce n'est pas ça le problème, la candidature, empêcher la candidature de Unir, quoi. Que si Unir se présente, si on a comme Bawara ou autre, le ministre comme là, est-ce qu'on peut parler d'alternance? D'accord. Donc, à votre entendement, est-ce que si Fort n'est pas candidat, sont-ils dans la décision d'accepter qu'un autre membre de UNIR puisse l'être? Bien noté, monsieur Assignon. Et nous allons prendre un autre intervenant sur le 92-02-80-63. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? D'accord, Enoch, nous vous écoutons. Oui. Je vous excuse, je suis chrétien.
je vous en prie, si le président de France dit c'est ça du coup, je vous en prie, c'est pour les jeunes. Si tu veux donner la raison de cette statu là, ce n'est pas une question de qui gère les opposants ou bien les acteurs de la coalition. C'est qu'il y a quelque chose que je remarque que vous, les journalistes, vous n'êtes pas à donner les bonnes raisons pour que ce pays soit avancé. Le statu quo veut dire quoi? Il faut éviter les professeurs de l'université qui n'expliquent pas. Il n'y a pas de dictionnaire chez vous, forcément, il faut aller chez le professeur d'université. Étant donné qu'on veut le changement, tout ça n'intervient pas, ça coûte ça du coup. Donc, je vous en prie, justement, pour que cette histoire soit arrêtée, c'est vous les journalistes qui devez éclaircir. D'accord. Merci beaucoup, Enoch, pour la proposition, ou disons la suggestion. On va prendre le dernier. Intervenant sur le 92-02-80-63. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. La radio à côté, le volume, s'il vous plaît. D'accord. Et le nom? Je m'appelle Benjamin. Benjamin, nous vous écoutons. Oui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les partis politiques de mon pays. Et pour être un petit bref, tout ce que nous savons que nous sommes en face d'un régime menteur, si je le dis, excusez-moi les termes. Il faut contrôler le langage, s'il vous plaît. Parce que, vu ce que nous entendons dans le pays, quand leurs partisans viennent sur les médias, ce n'est pas à part ce qu'ils viennent nous dire. Parce que si il y a un temps passé que le président peut être là où il y a les sièges de. Les villes, les régions, assurées par les militaires. Pourquoi pas qu'on ne va pas laisser les autres aussi aller là-bas? Oui, tout. Ce sont pas des propos assez dans une situation de flou politique absolu, les interprétations vont bon train. Ah oui. C'est parce que le régime cinquantenaire a beaucoup brimé ce peuple-là et tout, on doit lui mettre tout, on doit mettre tout à sa charge. Mais bon. Je lui ai dit dans mon émission tout à l'heure que bon, on va essayer d'amener, de réfléchir pour que ce genre de situation n'arrive. La solution, c'est qu'il y ait l'alternance au sommet de l'État. Ah oui, Macron, statu quo, il nous revient à nous, journalistes, de pouvoir bien expliquer les choses aux citoyens. Il disait tout à l'heure, Enoch, qu'il faut se rabattre parfois aussi sur des professeurs d'université, comme si le dictionnaire n'existe plus. Oui, c'est un ras-le-bol qui l'a exprimé. Je pense que les gens sont très mécontents dans le pays et nous devons le constater, le savoir et en tenir compte. Mais quand même, dans le monde journalistique, je ne dédouane pas, il y a une pluralité d'expressions qu'il faut en tenir compte. Et quand ça se présente, souffrez que par moment, que des gens aussi expriment ce mécontentement-là et tenez-en compte. Ah oui, à la fin de ce mois, on aura des bonnes nouvelles, bonnes informations sur Massignon, mais l'opposition devrait aller loin et exiger que Unir ne se présente même pas du tout aux prochaines élections. Monsieur Jean-Claude, est-ce que... pourquoi on peut se permettre d'aller jusque-là? C'est que les gens sont fatigués, lassés, désabusés. Abusés de ce système et les gens ne veulent même plus les sentir. Et c'est ce sentiment, je l'ai dit tantôt dans l'émission, que le tissu social ne tient qu'à un bout de fil. Et c'est dangereux. Si des Togolais aujourd'hui décident qu'ils ne veulent plus sentir sur l'échiquier politique, leurs semblables Togolais. Oui, mais cette exclusion, qu'est-ce qui peut constituer le soubassement de l'exclusion? Mais c'est pourquoi? 53 ans d'animosité, c'est 53 ans de dictature, c'est 53 ans d'abus de pouvoir. Aujourd'hui, là où nous parlons, nos frères de la société civile sont encore en prison, malgré que les chefs de l'État ont décidé de les élargir. Jusqu'à présent, Eza est en prison, Kokoroko est en prison, et M. Siba, etc. sont en prison. Qu'est-ce qui justifie cet état de siège, cet état de fait plutôt? Alors, et le statu quo pour l'auditeur, le premier, comme il disait que la France n'a pas d'amis, mais des intérêts. Absolument. Et c'est pour préserver encore ses intérêts. Macron veut apporter du nouveau aux Français,
il veut sucer les Africains pour pouvoir atteindre cet objectif. Si Macron est allé au Nigeria, c'est parce que le Nigeria représente un marché très important dans la sous-région. Il faut faire des yeux doux. Et ces yeux doux-là, je pense que le Togo, Bolloré, est en train de nous siphonner. Il faut encore trouver d'autres horizons. Et c'est ce que la France est en train de faire au Nigeria. Bon, en retour, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est ce fameux mot « paix ». Paix et paix qui s'entend par quoi? La sécurité. Et vous avez vu, le Togo a pris la tête du conseil de paix et de sécurité de l'UA. Pourquoi? Parce qu'on vous donne ça en retour, on vous garantit votre fauteuil ici. Mais cette fois, le peuple togolais a dit non, non et non. Voilà. Merci, monsieur Jean Eclos. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci, je vous en prie. Vous êtes une référence pour la jeunesse togolaise dans le monde journalistique. Ça, je vous l'apprends ce matin. Les jeunes que je reçois vous apprécient beaucoup. Je n'ai pas de mots à placer. Merci, messieurs, dames. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Jacob Arama, il est là. Déjà, dans les tractations, les dernières tractations, il sera avec vous dans le journal tout à l'heure à partir de 9h. Messieurs et dames, restez toujours branchés sur la 96.3. Sur le coup de 13h, nous serons là tout comme à 18h pour les prochains rendez-vous d'information. Excellente semaine à toutes et à tous. Et je n'oublie pas mon cher ami Coco le Parisien derrière la baie vitrée. Bonne journée. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.